fait, les amis, comme vous le savez, de ses propos, Bassem Breki est accusé de toutes les noms, mais malgré cela, Bassem est toujours fier de son combat. Il pointe sa doigt aux rappeurs et les séries télévisées. Tout récemment, on a vu Bassem qui classe sévèrement à Nawel Madani. Malgré son série télévisée, fait énormément de succès sur toutes les plateformes, notamment Netflix. Mais Bassem Breki ne voit pas cela, il voit les dérives de la société. Et de ces faits, on va écouter les propos de Bassem Breki. Salam alaikum les gens, Bassem Breki, 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Chat échaudé, crâne l'eau froide. Alors j'aimerais parler d'un phénomène. En fait, c'est un tenant et un aboutissant. Et puis là, je pense qu'on arrive au bout. La féminisation des quartiers. Ouais. Et en fait, c'est un rapport avec toutes les vidéos dernièrement qu'on a vues. Donc vous avez vu la vidéo de l'hérisson, là. L'hérisson qui a fait des trucs de fou dans une cave, il a forcé un petit à lui faire des choses. Et là, il y a une autre vidéo qui tourne apparemment, mais on a moins d'informations dessus. On ne sait pas quand on a la date, on ne sait pas si c'est un gamin ou une gamine, on ne sait pas plein de choses. Sauf que la petite victime en question, c'est un Renoir. Et en plus, c'est Bassem qui l'a partagé. Oh, de l'eau, là. Il a fait ça pour nous humilier. Mais vous demandez pas comment il va le petit. Non, ce mec de lion là, lui, à cause de lui, il nous a mis des bâtons dans les roues. Et il nous a mis face à nos responsabilités. Ah non, cette vidéo, c'est absolument moi. C'est pas moi qui l'ai partagée. Beaucoup de gens l'ont partagée. Tout le monde l'a partagée. Au lieu d'aller chercher le snap qui l'a partagé en premier, vous êtes venu me chercher des noises. Qu'est-ce qui se passe? Voyons, n'extrapolez pas tout. Là où on voit que vous êtes des hypocrites, c'est que vous essayez de rentrer dans la compassion, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, mesdames et messieurs, dans la compassion perpétuelle et la prise en otage. Surtout la capitale de merde. Et qui sont là avec plein de... Ils auront dû cacher la tête de l'enfant. Ils auront dû cacher, mais l'enfant, on ne sait même pas qui il est. Demain, dans la rue, pour la première, tu le regardes, tu ne sais pas qui il est. On n'a même pas d'informations sur cette histoire-là. On sait juste que ça s'est passé dans le sud de la France et tout à Marseille. Après, on sait pas les tenants et les aboutissants. On est là, nous, pour quoi faire? On est là pour quoi faire avec nos millions de vues qui servent à rien, est-ce qu'il paraît, hein, qui servent juste à diviser. On n'est pas là pour dénoncer aussi. Alors quand on a dénoncé des gens, on a dénoncé tout le temps, vous êtes venus et écartez vos bouches? Non, absolument pas. En fait, vous avez juste la haine parce que vous êtes tellement des égoïstes et des hypocrites que, en fait, vous vous en foutez de la gravité de cette vidéo-là. La gravité de la mentalité de tous les petits maintenant. La gravité de la mentalité nourrie par Netflix et par les groupes de rap qui, à force de chanter « Je te prends, je te descends dans la cave », ben c'est ce qu'ils font tous maintenant. Non, vous vous prenez pas ça pour gravité. La seule chose grave pour vous, c'est qu'un rebeu, moi, Bassem, il est partagé. Et vous êtes tellement des sans-cervelles que vous pensez que j'ai mis ça pour rabaisser les gens. Ça vous prouve l'ego surdimensionné que vous avez. Alors que Wallah et l'Ardim, vous êtes Walou, vous êtes zéro. Et vous l'avez prouvé avec ce comportement-là. Vous vous êtes grillé, le masque tombe. Bien sûr, nous, c'est tout ce qu'on retient. Dans tous vos lives d'hypocrites, dans tous vos lives de pleureuses, Wallah et l'Ardim, il n'y en a pas un où il y en a qui a dit « Ils sont où les parents ?» Est-ce que cette vidéo, est-ce qu'on peut en savoir plus? Non. Vous parlez que de procédure. Mais procédure quoi? Vous êtes... Procédure-toi, toi, déjà, qu'est-ce que tu me racontes? Mais vous rigolez ou quoi? On est tous ensemble pour dénoncer ce genre de fait. Qu'est-ce qui vous gêne? Si la vidéo, c'était un petit maghrébin qui était la victime, est-ce que ça vous aurait gêné de me parler? On voit le visage, on ne voit pas le visage, personne ne voit le visage, arrêtez de mentir, vous vous mentez à vous-même. Non, là, le seul problème, c'est que c'est moi qui l'ai partagé, c'est moi qui ai donné plus de visibilité. On a les URL de tout le monde, je ne suis pas à l'origine de cette vidéo-là, même dans le partage, ça fait une semaine qu'elle tournait, cette vidéo-là. Moi, dans mes snaps, quand je l'ai ouvert, Allah el Adim, j'ai vu cette vidéo, elle a été envoyée il y a 5 jours. Il y a 5 jours, j'ai pas ouvert mes messages, mais de quoi tu me parles? De quoi vous me parlez, vous? Alors on se concentre sur quoi? Vous avez trouvé la solution? Vous avez fait quoi, vous? À force de blablater pour rien, dans les lives, en train de perdre du temps, on dirait que vous êtes sur des pupitres des Nations Unies.
J'aime bien la dire ça. Vous faites quoi? Vous faites absolument rien. Donc nous, on a des petites infos. On nous dit que c'est dans une association qui s'appelle Tantan, il faut demander. Parce que c'est des petits qui gèrent, ils gèrent des petits en difficulté, et puis on dit que ça s'est passé là-bas. Et on dit même que finalement, ça c'était très longtemps. On ne sait pas encore, ça arrive. L'important pour nous, c'est de dénoncer. Et vous, vous parlez pour rien. Si on ne montre pas cette vidéo, si vous voulez qu'on floute les visages, malgré que tous les visages ont été floutés, comment tu veux qu'on retrouve les protagonistes? Protagonistes, et ouais, comment voulez-vous qu'on retrouve les protagonistes, bande d'hypocrites? Vous savez très bien comment ça marche, les affiches. Vous savez très bien comment ça marche. Snap, tous ces réseaux-là. Ces réseaux-là, demain, cette vidéo-là, tu l'emmènes aux flics. Les flics, ils vont dire ouais, mais ils vont faire quoi? Mais si tu la publies dans la street, il y aura toujours quelqu'un, une personne ou deux qui dira tiens, je reconnais le bâtiment, tiens, je reconnais où c'est, et on avance comme ça petit à petit. Pendant vous, vous faites quoi à part faire des lives qui servent à rien? Comme vous, vous faites quoi? Vous faites quoi à part de trouver un coupable idéal désigné? Parce que tous les jours vous en rêvez. Vous faites quoi? Absolument rien. Donc je m'adresse à tous les gens qui connaissent les réseaux. Les réseaux, c'est la street. Et la street, on est tous branchés. Et que tu le veuilles ou non, c'est pas en emmenant cette vidéo ou en la montrant à la police qui, elle, va faire son taf en saisissant, les informations ne viendront pas d'eux. Elles viendront des réseaux. Malheureusement, les gamins, c'est comme ça. Il suffit qu'il y a un ou deux gamins, tu le prends au vice, tu lui dis, dis-moi qui c'est, je te partagerai ou je te ferai une bonne pub. C'est tellement de générations de merde qui sont capables de tout maintenant. Et pour nous, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. On a toujours dénoncé ce qu'il fallait faire. Mais la seule chose, vous, qui vous fait mal au cul, c'est que c'est moi qui l'ai partagé. Parce que vous êtes tellement des égoïstes pour finir. Vous pensez que j'ai mis cette vidéo-là pour vous rabaisser. Parce que ça se voit que vous avez le cœur noir. Et là, on voit que vous avez des âmes noires. Wallah, il a dit honte à vous. Honte à vous de réagir comme ça. Parce que quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes une pathétie sans nom. Wallah il alim. Vous crachez juste votre haine anti-maghrébin à travers moi. Mais malheureusement, moi je me sers des vues que des gens de votre communauté ont et ne se servent pas pour dénoncer ça. Parce qu'ils ont peur de plein de choses de leur compte et tout. Donc s'il vous plaît, avec tout le respect que j'ai pour les Renois de citer les Renois avec qui j'ai grandi. Parce que les blédards sur les TikTok, eux... J'ai pas la même vision qu'eux. Si eux, ils ont un zob à la place du cerveau, moi, je comprends pas. Moi, je m'adresse à eux. Tu sais, dans la street, il y a des codes. Quand je dis dans la street, on n'est pas des vatos locaux, hein, mais on a grandi dans la street, que tu le veux ou non. Tu vois, on a des codes. Et des codes, on a des vrais codes. Et quand on voit qu'un gamin, on peut lui briser sa vie en affichant sa photo qui est reconnaissable direct, wallah, il a dit, on ne le fera jamais. Sauf que là, personne n'est reconnu. Nous, on voulait juste publier, enfin, cette vidéo-là. Juste pour reconnaître les endroits où ça s'est passé, que ça tilte chez quelqu'un, où ça tiltera pas dans une procédure, ça tiltera sur Snap. Comprendre qui pourra, bande de Hamir, là. Et vous venez arrêter votre stratégie, on l'a vu arriver à des kilomètres. Donc, vous faites Wailou parce que vous êtes Wailou. Salam alaikum, les gens. Et pour finir, posez-vous les vraies questions. Comment ça se fait que dans les Hagra au quartier maintenant, on te fait tirer des pipes? Tu te dis pas qu'il y a un problème dans la génération? Tu te dis pas qu'il faut faire un truc? On a tous connu la Hagra, mais nous, quand c'était la Hagra, on prenait les vélos des gens et on se barrait. Au pire des temps, on les boulait. C'était ça, la Hagra. Et ça s'arrêtait là, c'était de la Hagra masculine. Bah, c'est quoi cette Hagra-là? C'est quoi cette Hagra pédocriminelle qu'il y a dans les mentalités des quartiers? Vous vous êtes posé les vraies questions, vous? Au lieu de parler pour rien dire? Le cœur du problème, là, c'est que les générations ont tellement changé, sont tellement en danger que même dans nos cités, maintenant, on fait des trucs qui étaient inimaginable il y a 10 ans, parce que c'est une mentalité qui a changé et ça va de pire en pire. Et le cœur du problème, il est là. Ça rejoint le rap, ça rejoint les séries, ça rejoint tout ça. Mais vous vous en branlez comme de l'an 40 de ça. Bon, les amis, c'était ça. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.